beaucoup de jeunes filles ne fréquentent plus l'école à cause des grossesses précoces. D'autres viennent à l'école pour se faire remarquer et ne travaillent plus. D'autres viennent simplement pour l'habillement. Courent derrière les hommes pour trouver des sous, de l'argent pour acheter des habits ou des téléphones portables. On a tendance de nos jours, celles qui n'ont pas des iPhones ne sont pas à la mode. Donc elles sont obligées d'aller vers les garçons pour se trouver de l'argent, car il y a des filles qui n'ont pas des moyens. Leurs parents ne peuvent pas les donner assez d'argent, donc ils courent derrière les hommes pour trouver de l'argent. Les hommes d'aujourd'hui, ils font aux filles des chantages. Par exemple, tu veux iPhone, te dit tu viens chez moi. Et toi, si tu n'es pas assez intelligente, tu vas. Moi, si mon père ne me donne pas ou ma mère, personne d'autre ne me donne d'argent. Vous savez, il y a certaines filles qui sont influencées par d'autres. Donc, si tu manques de confiance, il faut avoir confiance en soi pour ne pas faire certaines choses comme les autres filles. Il faut pas baser notre vie sur les biens matériels, la nouveauté, la mode, les choses inutiles. Il faut se consacrer sur ses études. Auparavant, j'étais au collège Saint-Pierre. Au début, je pleurais. Je pleurais beaucoup parce que je ne connaissais pas la mode. Il y a des filles qui étaient à la mode, qui portaient des baskets, des jeans. Et moi, je ne m'intéressais pas à ça. Donc, il y avait des garçons qui étaient derrière moi, qui me disaient que tu n'es pas à la mode, tu es ceci, tu es cela. Alors, je pleurais. Et il y a des profs aussi, si tu n'es pas assez, on peut dire, si tu fais partie des cas sociaux, des fois, tu te sens à l'écart. Au début, je pleurais, mais après, je participais aux cours. Au premier semestre, j'avais 13 et quelques de moins. Alors, j'ai commencé à avoir des amis. Et maintenant, je faisais partie des meilleurs de cette école. Et j'avais des tableaux d'honneur. Il y avait une camarade. Ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Elle a laissé l'école pour aller travailler. Ses parents ne pouvaient plus payer l'école. Il n'y avait pas de moyens et le temps aussi. Elle aidait ses parents parce que ses parents étaient... Il y avait sa mère qui était souffrante. Elle était obligée de rester à la maison. Elle préférait rester et s'occuper de sa mère, trouver de l'argent pour payer les frais médicaux de ses parents. Pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas à elle de le faire. Donc, elle devrait aller à l'école, elle devrait continuer ses études. Après, elle pourra, pendant les vacances, elle peut faire des petites choses. Des fois, je me pose des questions. Pourquoi une fille ne peut pas être une présidente au Sénégal? C'est rare de voir une fille qui se présente aux élections. Même si elle se présente, les autres disent non, une fille ne peut pas tenir un peuple, ne peut pas gérer certaines choses. Donc elle n'ose pas, même si elle se présente, n'ont pas assez de voix. Parce que les hommes ne considèrent pas une fille. Les hommes n'aiment pas qu'une fille soit devant eux. Les femmes aussi, tu sais, la jalousie. C'est la jalousie qui nous tue, les femmes. Je vois qu'elle peut être présidente parce qu'elle a ses capacités. Je sais ça, mais je refuse de voter pour elle. Parce qu'elle sera devant moi,
elle sera plus friquée que moi. Là où elle est, on parle toujours d'elle, pas moi. C'est ça le problème. Dans notre quartier, les garçons sont tous, ont toujours la parole devant les filles. Je constate, il y a des familles, quand une fille doit s'exprimer, on lui dit non. C'est pas à toi de parler, c'est le garçon. Tout le temps, c'est le garçon. Et c'est pas normal. Moi, je me laisse pas faire, moi. Tu me dis, tu parles pas, je vais parler. D'autres filles croient que si elles parlent, elles ne sont pas éduquées, elles ne sont pas de bonnes filles. Donc, pour respecter leurs parents ou leurs aînés, elles sont obligées de se taire. Mais moi, je pense que ce n'est pas lié à l'éducation. Quand une personne doit parler, il faut la écouter pour comprendre ce qu'elle veut dire ou pour l'aider. Donc, une personne qui ne s'exprime pas, on peut dire qu'elle est rancunière parce qu'elle garde toujours dans son cœur, elle ne peut pas s'exprimer et ça le blesse. Elle a toujours mal, elle se sent seule et elle n'ose pas s'exprimer. C'est ça qui amène des filles révoltées. Je crois que ça manque, qu'il n'y a pas assez de débats. Pour moi, il faut les télévisions, il faut qu'elle organise, même si c'est une fois par mois, de faire des débats pour des jeunes filles, inviter des jeunes filles des différentes écoles et leur donner la parole, qu'elles s'expriment et exposer ce qu'elles vivent, ce qu'elles rencontrent, des difficultés et les aider. On n'a pas assez de personnes pour évoquer nos situations. L'État doit nous aider, doit laisser la parole aux jeunes filles, nous écouter pour qu'on puisse leur expliquer nos situations, nos faiblesses et les difficultés qu'on rencontre dans nos familles. Il faut construire des centres de formation pour les jeunes filles. Il faut aussi des personnes pour les recenser, les aider financièrement, psychologiquement. Oui. Ma famille me pousse à aller de l'avant, à bien travailler. Même à cet âge, on me dit qu'une fille, une jeune fille ne doit pas penser aux garçons. Elle doit travailler, aller à l'école. Chaque chose a son temps. Pour moi, chaque chose a son temps. Il faut travailler. Avec l'aide de Dieu, tu trouves un travail. Après, tu peux fonder une famille. La nouvelle génération, on ne se laisse pas faire. Je vois que les filles commencent à se donner, à s'imposer. Donc, d'ici 20 ans, je crois que les filles vont être devant. Mettez-vous au travail, laissez les hommes à côté. Ce n'est pas le moment. Il faut vraiment travailler. Vous savez que les hommes n'épousent plus les filles qui ne sont pas à l'école. Mettez-vous au travail et refusez certaines choses. Laissez la mode à côté. Chaque chose a son temps.